Regardez celle-là, Zigna et Romarin. Oh là là, dis donc. C'est horrible. Mais oui, je m'en souviens. C'était pendant la grande course à vélo. On croyait qu'on vous retrouverait jamais. C'est vrai, on a drôlement eu peur, nous. C'est que vous avez bien failli ne jamais nous revoir. Tu vois, c'est très simple. Tes roues doivent toujours être parallèles au châssis. Sinon, ça finit par se bloquer. Oh, merci, Romarin. Yeah! Wow! Elle va encore plus vite qu'avant. C'est vrai, Zigna? Tu veux bien la faire? Et plutôt deux fois qu'une. Ça fait trop longtemps que je n'ai plus fait de compétition. Et mes gambettes ont besoin de se dégourdir. Elle est trop forte à vélo, elle est trop forte à vélo. Ne dis pas que ta tante va vous représenter à la course de demain. Bah, apparemment. Ah, la honte! Je crois que les concurrentes partent des Erelles et vont jusqu'au village de Murex. Ouais, je sais très bien où elles vont. Ma mère y participe et c'est moi son coéquipier. Mais franchement, à nous deux, je crois qu'on est plus jeunes que ta tante. Et alors, Zigna, c'est très bien que... Ce qu'elle sait pas, c'est que la course s'appelle les femmes à vélo, pas les mamies à vélo. Allez, à demain, Romarin. Je sens qu'on va bien rigoler. Allez, Dandelion, suis-moi si tu peux. Attention, je suis Zigna, la reine du vélo. Allez, Dandelion, hop, on attaque la montée. T'es trop forte. Celui-ci, je le portais quand j'avais l'âge de votre papa. J'ai gagné une compétition avec, alors j'espère qu'il va me porter chance. T'es sûre de vouloir y aller, Zigna? Regarde, t'es encore malade. Bon, c'est juste un petit rhume. Regarde, je suis loin d'être rouillée. Oui, mais un rhume, ça fatigue beaucoup. Et les mamans de nos amis, elles seront en pleine forme, elles. Mais les mamans de tes amis ne sont pas forcément des pros du vélo. D'ailleurs, j'ai besoin d'un coéquipier pour demain. La course comprend 4 étapes au cours desquelles il faut déchiffrer des énigmes. Tu pourrais venir avec moi. Moi? Oh non. Mais si, t'aimes bien les énigmes. T'as plein de livres où il faut découvrir des trucs. Ouais, même que quand mon pantin se cache, c'est toujours toi qui me le retrouve. Avec toi, c'est certain, Zigna va gagner. Bah alors, tu veux pas qu'elle gagne? Ouais, youpi! Encore sur vous! Ravi de faire cette course avec toi, cher coéquipier. Pour Zigna et Romarin, nous allons former une équipe de choc. Hurrah! Et il faudra les attendre sur la ligne d'arrivée. Vous devez être à la hauteur comme supporter et soutenir notre duo d'un bout à l'autre de l'épreuve. Pas de problème, papa. On les laissera pas tomber. Merci, mais j'avoue que c'était plutôt facile. Nos adversaires sont loin d'être à la hauteur. Ah, évidemment, c'était à prévoir. Zigna est bien trop vieille pour ce genre de compétition. Bien trop vieille. Oh non, ridicule. On va être ridicule. Zigna, je te le promets, ils n'y verront que du feu. Allez, Marguerite, vas-y. Avec ces cartes, Zigna, on est sûr de ne pas se perdre. C'est des vitamines que t'aurais dû prendre. À mon avis, ta tante va en avoir besoin. Occupe-toi de tes oignons, Grémil. Et dis à ta maman qu'elle s'accroche. La course va être rude. Cher concitoyen, c'est toi la meilleure. Le temps est venu de souhaiter bonne chance à nos concurrentes. Nous les retrouverons dans quelques heures au village de Murex. Alors, en attendant, que la meilleure gagne. Allez, c'est nul, ils nous ont même pas entendus. Et puis je vois pas comment on va les supporter si on n'a pas le droit de les suivre. En plus, ils sont tout rikiki, nos drapeaux. C'est vrai, il leur faudrait des jumelles pour les voir. T'as raison, il n'y a plus qu'à rentrer. Venez, j'ai une idée. Saperlipopette, Gilia a la forme aujourd'hui. J'ai une forme olympique, Romarin. Je te l'avais dit, je suis une pro du vélo. Et moi, je suis le pro du bricolage. Un cerf-volant, c'est une idée géniale, Serette. Crac-boum, on dessine la tête de Romarin et Digna dessus. Comme ça, ils savent qu'on les soutient pendant toute la course. Ouais, crac-riv-roum. Moi, j'aime bien jouer aux supporters. Vite, il faut trouver du fil, des lattes de bois et un bout de tissu. Déjà la première étape franchie, Romarin. Si Mistouflet était là, il dirait que nous sommes trop forts. Et hop! Écoute ce que dit l'énigme. On l'aime pure, mais elle peut aussi changer de couleur. Au sirop, par exemple, c'est un vrai bonheur. De l'eau! C'est de l'eau, bien sûr! C'est évident! Mais pour l'instant, je ne vois pas de cours d'eau dans les environs. Oh, mais bien sûr! Le puits des Bleuets! Prends sur la droite, Igna, sur la droite! Il est là, en bas! Et c'est en coupant par les bois que vous atteindrez la rivière de Murex. Un petit pont vous y attend. Oh non, pas eux. Mais comment elle a fait pour aller si vite? Vite, maman, vite, ils vont nous rattraper. Oh là, du calme. Ce n'est qu'un jeu. À ce rythme-là, je ne vais jamais arriver entière, mon chéri. Un itinéraire préféré. Zigna vous y conduit les yeux fermés. Flûte. Ils sont passés devant. Oh. Bon, alors, il est où leur indice? Regarde ça, Romarin. Un peu plus et ces goiffres nous empêchaient de poursuivre la course. Allez, ouste du balai. Désolé, mais le goûter est terminé. Remets-la en place. Comment ça se fait qu'il était par terre d'abord? Moi, je dis, c'est sûrement pas des mulots qui ont décroché ça. Oh, tu veux jouer à ce petit jeu, Grémil? Eh ben, tu l'auras voulu. Hein? Oh non. C'est parti, Zigna. Direction la rivière. Il est bon de pédaler, lélé, en hiver ou en été, tété. Tant pis pour les giboulets, lélé, rien ne peut nous arrêter, tété. Et un petit coup de main, ça fait toujours du bien, bien, bien. Alors, Romarin, cette petite pause m'a requinqué. On va même très vite. C'est pas assez solide, le cerf-volant ne tiendra jamais avec ça. Oh là là, on va pas arriver à temps. Bravo les supporters, ah oui bravo. Oh. On est trop nuls. Et ce fil-là, il est très costaud, non? Ça fera l'affaire. Et pour les lattes de bois, on fait comment? Ça serait, je m'en occupe. Aïe, 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 aïe. Il faut encore qu'on dessine les têtes de Zigna et de Romarin. Ben, pourquoi on prend pas plutôt des photos? Tu ne peux pas rater le pont, il est droit devant. Mais il n'y a pas de frein sur ce vélo, c'est insensé. Vas-y, fonce, on va les rattraper. Ouais, c'est bon. Doucement quand même. Facile à dire, je prends mon marin. Bravo, marin. Mistouflet parce qu'on est trop super. Signa et Romarin, on arrive. Allez maman, vas-y maman, oui, c'est bien. On y est presque. Vas-y maman, allez. Saperlotte mille carottes, mes enfants devraient déjà être ici depuis longtemps. Oh là là. Oh, mes pauvres gambettes. Ça va, Romarin? Oui, enfin je crois. Moi je dis, on ne pourra jamais revenir sur nos pas. Ah, ça c'est sûr. Avec la pluie, l'eau monte à vue d'œil. En revanche, regarde. Ce passage doit forcément mener quelque part. Attends, laisse. Toi, tu es trop faible pour passer en premier. Il vaut mieux que tu me suives. Moi, faible? Pas du tout. Je me sens plutôt en forme, je t'assure. C'est juste après le temps. Youpi! Hé, regardez, à gauche, il y a les dames de la course. C'est bizarre. Pourquoi elles se sont arrêtées? Allez, hop, on va voir. Yahoo! Nous, on est les supporters. C'est horrible. Ils ont dû tomber dans la rivière. Là, le dossard de Signa, c'est pas possible. Il faut aller chercher du secours. Suivez-moi, je connais un raccourci. Avec le courant, j'ai peur que Signa et Romarin ne sombrent au fond. Nous n'avons pas une minute à perdre. Ne t'inquiète pas, Signa. Je vais nous tirer de là. Regarde, la sortie n'est pas loin. Enfin un peu d'air. Alors, ça aboutit où? Directement sur la ligne d'arrivée, j'espère. Hein? Oh, c'est quoi ça? Oh, Signa! Oh, aïe! Romarin! Ça va? Ce n'est pas par là que nous pourrons nous échapper. Nous venons d'atterrir dans le moulin de Murex. Oh non! Il vaut mieux sortir de là, et vite fait! Moi, je veux bien. Mais je crois que je l'ai cassé. Tout à l'heure, quand je suis tombée. Alors, il ne nous reste plus qu'à atteindre la porte du fond. C'est périlleux, certes, mais on n'a pas vraiment le choix. Allez! Après tout, vu les exploits que j'ai accomplis aujourd'hui à vélo... Je vais bien trouver quelques ressources pour franchir cette satanée route. Signa, écoute, tu n'y arriveras pas, c'est évident. Tu sais, aujourd'hui à vélo, eh bien je vais... Je te trouve bien méfiant tout à coup. Si tu ne me fais pas confiance, reste donc où tu es. Après tout, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Mais papa, il fallait retrouver lui. Bah, le temps qu'il arrive, ce sera peut-être trop tard. Je me souviens qu'un jour, ma casquette était tombée dans la rivière. En suivant le courant, j'avais pu la récupérer. T'as raison. Signa et Romarin ont forcément été emportés plus loin. Regardez, la rivière devient souterraine. Tu crois qu'ils sont passés par là? J'ai bien peur que oui. Allons jeter un œil. Oh là là. Vous êtes sûr qu'on y va, là? Plus qu'un. Et voilà un tremplin idéal. Et maintenant, suffit de passer entre deux pales. Pas facile quand même. T'inquiète pas, je sais que tu vas y arriver, je le sens. Je vais te donner le signal dès que tu pourras sauter. Enfin, dès que tu te sens prête, quoi. C'est d'accord? Oh, je suis prête, Romarin. Non. Hé, poussez pas. Aïe, tu m'écrases. Vas-y. Ça va? Je crois. Mais tu as crié deux fois, c'est très dangereux. Mistouflet? Oui, c'est nous. Mais qu'est-ce que vous faites là? On a entendu vos voix, alors on est venu vous sauver. Nous, on est les supporters parce qu'on est trop super. Surtout, ne bougez pas, les enfants. Je vais sortir d'ici et des adultes vont venir vous chercher. Oh, mon pantin! Même si on voulait, on pourrait plus repartir. Oh, la porte est fermée de l'extérieur. Évidemment, j'aurais dû y penser. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Et il ne faut surtout pas s'engouffrer là-dedans. Si on file à l'embouchure de la rivière, je suis sûr qu'on va les retrouver. Écoute, avec le courant qu'il y a, j'ai bien peur que les enfants... Et Zigna... Allez, on perd du temps, Papilio. Suivez-moi. Une solution. Si nous pouvions grimper là-haut, nous serions sauvés. Dis plutôt si nous savions voler. Mais oui, moi je sais comment avertir les villageois qu'on est bloqués ici. Par là, dépêchez-vous. On y est presque. Continuez. Oh non, Marou! Mais... Hé! Stop! Regardez! Oh! C'est eux! C'est Zigna et Romarin! Et après, tu sais, on a eu peur. C'est vrai, non? Saperlipopette, je savais que vous joueriez votre rôle à la perfection, mais pas à ce point quand même. Vous avez couru d'énormes risques. Et puis... Oh non, quoi encore? Il y a autre chose aussi, papa. C'est pour le cerf-volant. En fait, on a utilisé les photos qui étaient sur le mur. Et là, impossible de contrôler le vélo. J'allais vite, mais vite et... Boum! Le pont s'est brisé. Ah, te voilà, toi! Il avait caché le deuxième indice. Il a triché. Dis-leur que c'est vrai. Dis-leur. Est-ce que c'est vrai, mon chéri? Bien sûr que c'est vrai. Je suis sûre que t'as aussi saboté le pont. De toute façon, c'est Zigna qui devait gagner. C'est évident puisque j'avais trafiqué son vélo. C'est-à-dire que... Comment ça, trafiquer mon vélo? Mais non, enfin, c'était... comment dire? Les autres mamans étaient jeunes. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Eh bien, tu apprendras, jeune homme, qu'il est préférable de laisser à chacun le droit de prouver ce dont il est capable. De toute façon, je n'ai rien à faire avec le tricheur. Et toi, j'ai deux mots à te dire. J'aimerais que tu me racontes cette histoire d'indice. Zigna, attends! Hier, quand j'ai trafiqué ton vélo, j'avais peur que tu perdes. Mais aujourd'hui, depuis que je t'ai vu dans le moulin, eh bien, je le sais. Tu sais quoi? Que t'es la tante la plus sportive et la plus géniale de toutes. D'ailleurs, si tu as un peu de temps demain, j'aimerais bien que tu testes ma nouvelle invention. C'est un pédale express à moteur hydraulique, et il n'y a qu'une cascadeuse hors pair comme toi qui peut l'essayer. Super vite. Et moi, Dandelion, je suis vraiment le roi des supporters.